Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui nous allons en Somalie. Souvenez-vous, lors du dernier récit sur la route du Cap, nous étions au Kenya avec les cultivateurs et acheteurs de cette herbe hallucinogène. Les acheteurs sont pour la plupart des sociétés ayant pour actionnaires des gangs somaliens. Ils disposent de moyens considérables pour l'exportation du Cap vers la Somalie. Ils ont, par exemple, une flotte de petits avions allant partout sur le territoire somalien. Ce Cap sera à Mogadiscio demain matin. 3h du matin, l'aéroport Wilson, à quelques kilomètres de Nairobi. Les colis sont pesés et transportés dans de petits bimoteurs capables d'atterrir sur des terrains de fortune. Les chefs de guerre font un profit énorme dans ce trafic, qui fait l'objet d'ailleurs d'une enquête par les Nations Unies, qui pointaient les revenus de ces transactions qui servaient ensuite à acheter des armes. Et pas seulement des armes d'ailleurs, car le Cap est également largement distribué aux miliciens qui combattent pour la victoire de leur chef. Mon traducteur et moi-même, nous sommes arrivés à Mogadiscio en provenance de Djibouti via un aéroport du Somaliland. La première chose que nous faisons, c'est d'aller à l'aéroport numéro 1, où transitent tous les colis de Cap qui vont être distribués dans la capitale somalienne. Des milices puissamment armées contrôlent la seule route menant à l'aéroport numéro 1. Les commerçants de Mogadiscio sont déjà présents sur la piste. Vous attendez un changement de cap de combien de kilos ? 400 kilos. 400 kilos, non ? 400 kilos, ils représentent ici tous les clans implantés dans la capitale. Ils sont déjà l'objet de taxes du chef de guerre qui a pris par les armes l'aéroport. 10 heures, les avions sont annoncés. Déjà, les commerçants venus de la capitale se préparent à payer la première taxe au chef de guerre contrôlant l'aéroport. Puis il y aura un impôt aux différentes lignes de front qui partagent Mogadiscio en 3 secteurs. Enfin, le Cap pourra être vendu au marché. Enfin, le climat se tend. Certains commerçants ne veulent pas se faire filmer. J'insiste. Va-t'en ! Ya lo tengo, ya lo tengo.
Bientôt, plein de gens, même des pilotes, commencent à me prendre à partie. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez de filmer tout de suite. Je vais pas me filmer les avions. Et tout le temps, tout le temps. Ça suffit maintenant, tirez-vous. Le salaud, il faut qu'il parte tout de suite. Tout de suite. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on se tue, on te tue. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Puis le chef de guerre qui contrôle l'aéroport m'arrête, prend ma caméra. Pendant de longues heures, je me demande ce qui va m'arriver. Et puis finalement, Reporters sans frontières, qui avait été contacté par téléphone, a réussi via l'ONU, à Mogadiscio, à me faire libérer. Je tiens vraiment ici à remercier Robert Nénard, qui a fondé cette organisation il y a maintenant près de 20 ans. Alors, que devient le Cap maintenant? Une embuscade a été tendue pour le contrôle d'une cargaison. The 10h30, Mogadiscio Nord, il y a eu des accrochages entre miliciens pour le contrôle d'une cargaison de 4. Bilan de morts. Des hommes du clan du chef de guerre Moussa Souri se préparent au combat. Ils vont monter sur la ligne de front où l'incident s'est produit. Plus tard, s'ils s'en tirent, ils auront leur récompense avec cette herbe fraîche qui vient de si loin tous les jours. Pour eux, qui ne sont jamais sortis des quelques kilomètres carrés qu'ils contrôlent à Mogadiscio. La paix est-elle possible dans de telles conditions? J'ai posé la question à un chef de guerre qui contrôle tous les quartiers nord de la capitale. Nous le rencontrons dans une forteresse au nord de Mogadiscio. Tout autour de son QG, des miliciens, des Toyota, des armes lourdes. Mais que pensez-vous de l'envoi de troupes interafricaines pour désarmer les milices? J'ai déjà dit tout cela. Les Somaliens n'ont pas besoin de troupes étrangères chez eux. Déjà, les Nations Unies ont envoyé des troupes qui ont généré des pertes importantes de part et d'autre. D'ailleurs, les troupes africaines n'ont aucune discipline. Il y aura encore des combats entre les Somaliens et les troupes de l'IGAD. Nous ne voulons pas de ces troupes. Nous ne voulons pas de ces troupes de paix. Tous les marchés de la ville proposent de l'herbe hallucinogène. 11h du matin. Le CAT est en vente dans tous les marchés de Mogadiscio. Ici, au nord de la ville, les marchands sont à nouveau taxés. L'argent servira entre autres à l'achat de matériel de guerre plus perfectionné et à la survie du chef de clan. Des percepteurs passent pour taxer les marchands. Alors c'est quand même miraculeux. À 15h, le vacarme des armes cesse, partout en Somalie. Car oui, les milices aussi ont leur dose. Leurs chefs leur ont donné leur dû. 15h. Les combats, si combat il y a, cessent tous les jours à la même heure. C'est la pause. Mogadiscio rentre en léthargie. Puis, l'excitation et la folie prennent le dessus. Ces hommes
sont maintenant dans un monde où ils se croient invincibles, où la peur n'existe plus. Leurs chefs leur ont donné leur dose. Ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour cela. C'est pour moi un répit. Je peux passer les lignes de front sans gros problème. À Shingani, depuis plusieurs jours, la tension s'est accrue. Les milices interdisent l'accès de ce quartier qui était peuplé d'anciens commerçants. C'est le moment ou jamais d'essayer de passer entre les lignes de front, car les milices sont encore sous l'effet du CAT. Ne bouge pas, lève les mains en l'air. C'est moi, tu me reconnais ? Oui, laisse-nous passer. Oui. Non, mais ne fais rien. Dans ce quartier, les habitants sont complètement désespérés. Ici, il ne reste plus grand monde. Et pourtant, le pillage continue. Les enlèvements contre rançon sont quotidiens. Les enfants qui sont dans ce quartier ne savent pas ce qu'était la vie avant. Ce sont des enfants qui ont grandi avec la guerre. Ils ne peuvent pas comprendre que dans ce quartier, il y a des années, nous pouvions nous respecter, vivre normalement, nous aimer. Ce que nous faisions, c'est nous entraîner entre voisins, avoir une vraie vie sociale. Avec l'arrivée de ces milices armées, nous ne pouvons plus rien faire. Mais nous ne voulons pas prendre les armes. Nous sommes des otages utilisés comme des esclaves par les miliciens, par les trois clans qui terrorisent Mogadiscio. Il est tard, l'effet du CAT est terminé. Retour au Global Hotel. Certains miliciens rentrent des lignes de front. La milice de mon hôtel est montée au front. Ces hommes vont au combat pour ce rêve, cette douleur, cette appartenance à ce produit, à cette feuille qui vient de si loin pour eux, qui n'ont jamais quitté leur zone, leur quartier, en ruine de Mogadiscio. Alors, j'espère que ce récit vous a plu. À bientôt, j'espère, sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce et abonnez-vous. Au revoir.